Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, qu'est-ce qui tombe pour vous les Verseaux? La carte du fou inversée. Et en d'autres paquets, j'ai le 10 d'épée. J'ai le 10 d'épée qui parle, qui parle d'une fin. 10 d'épée parle d'une fin, quelque chose doit se terminer, quelque chose doit s'arrêter. C'est une fin qui est inévitable, c'est une fin qui est inéluctable. Ça doit s'arrêter pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, une fin douloureuse, un changement. Alors, quoi qu'il en soit, c'est une renaissance qui est annoncée avec ce 10 d'épée. Et j'ai le fou inversé. Alors, qui peut parler de rupture? Bien évidemment, le fou inversé peut parler de rupture, peut parler de renoncement. Ouais, est-ce que vous renoncez à quelque chose? Ouais, on met fin à quelque chose, on renonce à quelque chose. Parfois, avec la carte du fou inversé, les émotions peuvent être fortes. Après, il peut aussi s'agir, avec le fou inversé, d'une insécurité, de la peur de bouger, de l'immobilité. Alors, peut-être, est-ce que vous avez peur de mettre fin à quelque chose ou quelque chose s'est arrêté et maintenant, vous êtes dans l'insécurité. Vous avez peur de bouger, vous êtes dans l'immobilité. Oui. On peut être la proie avec le fou inversé de quelques de manies, de problèmes. Vous voyez, ouais. Ça peut être le désordre total. On peut perdre sa liberté, parce qu'on est peut-être, assujetti à des comportements. Il peut y avoir un brusque changement de situation, peut-être quelque chose d'inattendu. Mais ouais. Moi, je pense que vous allez devoir être courageux en cette semaine. Les Verseaux, peut-être intrépides, voyez-vous. Il ne faut pas avoir peur. Non. Parfois, c'est pas la peine d'avoir peur parce qu'on n'a plus rien à perdre. Voyez. Pour moi, on a envie de liberté. Avec la carte du fou. On a envie de cette liberté avec la carte du fou. Mais, mais en fait, dans l'aveuglement. On va regarder. Allez. Pour les Verseaux. Verseaux du 31 juillet au 6 août. Verseaux 31 juillet au 6 août. Verseaux 31 juillet au 6 août. J'en ai combien? J'en ai 3. Eh ben, je prends les 3. 5 de pentacle. 2 de coupe inversée. La carte du diable. Allez, Verseau. 31 août. J'en ai combien? J'en ai qu'une. Le 2 de pentacle inversé. Allez, encore 2 cartes pour vous, les Verseaux. Ok, très bien. Le 7 d'épée et une dernière, Verseau du 31 juillet au 6 août. Verseau du 31 juillet au 6 août. Allez, ça se retourne, je les prends, j'en ai 2, tant pis, je prends les 2. J'ai la carte des amoureux inversés et j'ai le roi de coupe en d'autres paquets. J'ai le 4 d'épée. J'ai le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, bien évidemment, on peut parler de repos, on peut parler de prendre du temps pour soi, on peut parler de relaxation, de reconstruction, de récupération. Oui, on avait le 10 d'épée, alors peut-être après quelque chose qui a été compliqué, douloureux, peut-être que là, vous prenez du temps pour vous. Ah ouais, on peut être épuisé avec le 9 de bâton et le 4 d'épée. Ouais, on peut être épuisé, on est à bout de patience, on est à bout de force. Il faut persévérer, il faut avoir de l'endurance. C'est un dépassement de soi, le 9 de bâton. Moi, je pense que... on peut être fatigué. Donc, on prend une petite pause avec le 4 d'épée. On réfléchit à tout ce qui perturbe. On remet de l'ordre dans ses idées et on continue à avancer et on persévère. Oui, et on se dépasse parce que la pause du 4 d'épée, elle ne dure pas des années. Non, c'est une courte pause. Et on repart au combat après. Alors, on va commencer. J'ai le 5 de pentacle et j'ai le 2 de coupe inversé. Le 5 de pentacle, ok. Alors, effectivement, ça met en scène une perte.
une perte d'emploi, une perte d'argent, peut-être une perte de l'amour. Il y a un état d'être, un état de manque, plutôt. Un état d'être qui favorise le manque. Je vais plutôt le dire comme ça. Oui, on a l'impression qu'on a tout perdu, voyez, avec ce 5 de pentacle. Et j'avais le 10 d'épée. Donc, peut-être qu'on subit quelque chose, voyez-vous. Mais oui, c'est une perte importante. Il y a quelque chose qui vous accable. Donc, on n'arrive pas à avoir des solutions. Des solutions qui pourraient vous aider à sortir de cette situation. Alors, l'ego peut être blessé avec le 5 de pentacle. Est-ce que vous préférez être seul? Est-ce que vous vous repliez sur vous-même? Pour moi, il faut avancer coûte que coûte. Les Verseaux. Oui. La situation avec le 5 de pentacle, elle est temporaire. Vous avez l'occasion de vous sortir de tout ça. On ne reste pas focalisé sur quelque chose qu'on a perdu. C'est comme si vous deviez faire l'effort de regarder autour de vous pour trouver des solutions, peut-être de l'aide, hein, je ne sais pas. Mais oui. Complètement. Et j'ai le 2 de coupe qui est inversé. Alors oui, un déséquilibre dans un rapport avec quelqu'un, ce n'est pas forcément sentimental. Alors, bien évidemment, 10 d'épée, 5 de pentacle et 2 de coupe inversée, ça peut parler de rupture. Rupture d'entente, rupture de contrat, rupture de relation, peu importe. Il y a des forces qui se repoussent, c'est le déséquilibre qui prime. Il y a quelque chose qui peut... Ouais, peut-être qui est devenu insupportable pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui... Quelque chose. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est pénible pour vous. Il y a quelque chose qui est chiant pour vous. Il y a une relation qui ne fonctionne pas vraiment. Vous voyez ? Complètement ça. On n'arrive pas. Alors, moi, c'est une relation amoureuse. On n'arrive pas à être soi-même dans la relation. Là, il n'y a plus d'équilibre entre deux personnes. Ce que vous voulez, vous, c'est le diable. Alors, est-ce que vous voulez reprendre une indépendance? Sortir d'une dépendance et reprendre une indépendance avec cette carte du diable? Oui. Est-ce qu'on veut se détacher de certaines chaînes, de certaines personnes, de certaines pensées? Oui, il y a des liens là, avec le 2 de coupe, ça ne fonctionne pas. Il y a un lien qui ne fonctionne pas. Alors, parfois le diable, il sait garder les personnes auprès de lui malgré leur volonté, mais sans effort. Parce que le diable, il a le pouvoir que vous lui donnez. C'est vous qui lui donnez du pouvoir au diable. Voyez ? Moi, j'ai l'impression qu'on veut sortir d'une relation malheureuse. Il vous manque quelque chose dans cette relation. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous manque, mais moi, je pense que oui, avec ce diable, là, on n'est pas heureux. Donc, on veut sortir de tout ça. Reprendre une liberté, s'échapper. Votre défi, c'est le 2 de pentacle qui est inversé. Alors, 2 de pentacle. 2 de pentacle peut dire qu'on n'arrive pas à faire face à quelque chose. Votre défi, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. C'est peut-être compliqué de faire face à certaines responsabilités avec le 2 de pentacle inversé. Ouais, pour moi, votre défi, c'est de sortir de ce stress. Après, bien évidemment, est-ce que vous hésitez entre deux personnes et qu'il faut faire un choix entre deux personnes ou deux possibilités? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est l'heure du choix. Vous allez devoir faire un choix pour moi avec ce 2 de pentacle en défi. Et ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée... Là, il y a une situation pour moi qui ne vous comble pas ou qui ne vous comble plus, puisque j'ai cette carte du manque et cette carte du 2 de coupe inversée. Donc, lorsqu'une situation ne comble pas ou ne comble plus, ben, il ne faut pas hésiter à changer de cap. Il ne faut pas hésiter à explorer de nouveaux horizons. Vous voyez ? C'est complètement ça. Ouais. Parfois, le 7 d'épée, il peut dire que vous vous dirigez plein nord. On se dirige, jusqu'à aujourd'hui, on se dirigeait plein nord et votre avenir il se situe peut-être à l'ouest ou à l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose, vous devez sortir de quelque chose. Oui, il y a une situation qui est délicate. On se sent comme enfermé dans quelque chose. Alors oui, on peut utiliser la ruse pour s'en sortir, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'assumez plus ou que vous n'arrivez plus à assumer, vous voyez? Oui. Et oui,
la carte des amoureux inversés et le roi de coupe. Bon, bah, la carte des amoureux inversés, il y a une décision qui s'offre à vous. Alors, peut-être que cette décision, elle vous semble hors de portée. Parce que le fait de prendre cette décision, il peut vraiment y avoir des conséquences importantes. Donc, on n'effectue pas rapidement un choix, puisque les conséquences peuvent être trop importantes. Est-ce que vous repoussez l'échéance? Est-ce que vous optez pour l'immobilisme total? Là, c'est peut-être plus confortable parfois de ne pas faire de choix. Mais au bout d'un moment, la situation, elle va montrer ses limites. Voyez? Oui. Ouais. Pour moi, vous ne devez pas vous voiler la face. Vous devez accepter d'affronter quelque chose. Peut-être que par rapport à une relation, peu importe ta relation, le moment est peut-être venu de faire le point. Voyez? Mais ouais. Il ne faut plus repousser l'échéance pour moi. Ouais. Parce que comme vous repoussez l'échéance, vous n'arrivez pas à profiter de nouvelles opportunités. Voyez-vous? Et oui. Et j'ai le roi de coupe qui parle de maîtriser ses émotions, peu importe les circonstances. Pour moi, on peut faire face à une crise, on peut faire face à quelque chose. Ouais. Ouais. Et vous devez maîtriser vos émotions pour faire des choix. Vous avez besoin de trouver votre équilibre dans une période de stress. Donc, on reprend le contrôle de ses émotions, on reprend le contrôle de son stress. Parce que là, vous traversez quelque chose d'instable, vous traversez une période de grande instabilité. Donc, vous devez reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress pour pouvoir certainement faire des choix, pour pouvoir avancer. Ouais. Alors, on va recourir les cartes. Allez. Si j'y arrive, on va recouvrir la carte du fou qui est inversée. Oui, c'est pas très étonnant. Non. Puisque, alors, comme la carte du fou est inversée, donc, on renonce à quelque chose. Alors, peut-être que vous renoncez à faire des choix, hein, bien évidemment, c'est une possibilité en cette semaine. Hein. Mais oui, on renonce à faire des choses. On ne prend pas ce nouveau départ. Donc, comme vous ne prenez pas ce nouveau départ, vous stagnez. Il y a de l'inertie, il y a des blocages. Il y a de la stérilité, les choses sont stériles, plutôt. Il peut y avoir des mensonges hein, avec le 7 d'épée et la carte du monde inversé. Ah ben, il peut carrément y avoir des mensonges. Ah mais complètement, ouais. Ouais. De toute façon, si on ne fait pas de choix dans la vie, il ne se passe rien. Je le disais avec la carte du fou inversé, peut-être que les émotions sont trop fortes. Soit vos émotions sont trop fortes, alors c'est peut-être ce qui vous empêche de bouger. C'est ce qui vous rend immobile. De toute façon, immobilité, stagnation. Oui. Insécurité. Émotions trop fortes. En tout cas, ça ne bouge pas. Je recouvre le 5 de pentacle. Bon. Eh bien, nous avons la carte du pape avec le 5 de pentacle. Effectivement, pour moi, la carte du pape, ça parle d'un engagement. Alors, engagement, contrat, peu importe. Alors, 6, oui. Après, bien évidemment, ça peut parler d'une évolution positive. Après, il y a peut-être quelqu'un, je le disais avec le 5 de pentacle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions. Vous voyez ? Ouais. Moi, je pense qu'on peut être blessé, replié sur soi. On ne peut pas retourner en arrière avec le 5 de pentacle. Je le disais, il faut avancer coûte que coûte. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide à avancer. Qui vous aide à dépasser une situation. Avec cette carte du pape, c'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, c'est vous qui devez certainement prendre du recul sur des perturbations émotionnelles. C'est une carte de protection aussi, la carte du pape. Hein. C'est une carte extrêmement positive. Quoi qu'il en soit. Après, peut-être que oui, hein, on sort d'un engagement, on sort d'un contrat, hein, bien évidemment. Je recouvre le 2 de coupe inversé. De toute façon... Ouais. Avec le 2 de coupe inversé, j'ai ce 10 de bâton qui parle de quelque chose là,
qui vous écrase, qui est pénible. Ah oui, avec le 10 de bâton, ça peut être des responsabilités, je vais le répéter, parce que c'est vraiment possible. Mais il y a quelque chose qui n'est plus devenu une source de plaisir, mais c'est une contrainte. On est surchargé, on travaille peut-être dur. Enfin, il y a quelque chose qui écrase. C'est peut-être des tensions avec quelqu'un qui écrase, hein, bien évidemment. De la discorde. Peut-être que la communication est difficile. Ouais. Pour moi, vous êtes dans l'insatisfaction totale. Et vous en avez ras-le-bol, je pense, de cette insatisfaction totale. Vous voyez? Ah ben oui. Ouais. Je vais recouvrir la carte du diable. Ok. Bon, bah sur la carte du diable, j'ai la carte de la mort. Et je répète que c'est ce que vous voulez. Le diable et la mort. Ouais, c'est ce que vous voulez. Alors, effectivement, la carte de la mort parle de transformation. On peut parler effectivement aussi de fin. Moi, je pense que vous êtes déçu, vous êtes blessé par rapport à quelqu'un. Vous voyez ? J'ai envie de vous dire, ouvrez l'œil, parce que j'ai le 7 d'épée. Mais moi, je pense que vous êtes déçu, vous êtes blessé par rapport à quelqu'un. Et ben, vous voulez vous libérer avec la carte du diable et de la mort. Vous voulez fermer une page, fermer une porte, voyez, clôturer un chapitre, tout ce que vous voulez, quoi. C'est ce que vous voulez, cette transformation. Ouais, moi, je pense que vous voulez mettre fin à quelque chose pour vous libérer. Ouais. Eh oui. Moi, je pense que les choses vont bouger. Quoi qu'il en soit, je recouvre le 2 de pentacle inversé. Ok, et j'ai la reine d'épée qui parle du fait de trancher. La reine d'épée, elle tranche. Oui, elle tranche. Pas avec ses émotions, pas avec ses sentiments. Non, elle est implacable, elle est froide. Elle se coupe de certaines choses parce qu'elle souffre. Voyez-vous, alors homme ou femme. Quand je dis qu'elle n'a pas d'émotion ni de sentiment, ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais d'émotion ni de sentiment. Ça veut dire que pour prendre cette décision, elle doit contenir ses émotions. Elle doit les mettre de côté. C'est ça. Autrement, elle n'est pas objective. Elle n'est plus objective. Quand on se laisse submerger par ses émotions, on n'est plus objectif ou objective. Donc, on a peur de faire des choix et souvent, on fait les mauvais. 5 de coupe. Inversé. Dans le défi aussi, hein, le 5 de coupe inversé. Donc, on vit un échec. Vous devez dépasser une situation. Il y a quelque chose qui est trop présent dans votre esprit. Ouais, alors peut-être que vous avez des émotions de regret, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui a échoué, alors c'était peut-être important pour vous. Ouais, il peut y avoir de la peur. C'est comme si votre défi, c'était de ne pas rester fermé. Il peut y avoir un grand sentiment de solitude hein, pour certains Verseaux. Mais il est vraiment temps de vous ouvrir. Peut-être de partager des choses avec d'autres personnes, avec le pape et le 5 de coupe inversé. Oui, on peut vous aider. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous montrer un meilleur chemin, qui va vous permettre peut-être d'alléger une souffrance, qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de faire un deuil. Voyez ? Ouais. C'est comme si vous deviez lâcher prise, vous deviez aller de l'avant. Alors, parfois... Ça peut être le fait de se pardonner à soi-même, le 5 de coupe inversé. Hein. Mais là, vous devez faire le deuil de quelque chose et aller de l'avant. Je recouvre le 7 d'épée. Nous avons... Ah bah tiens donc. C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai la tour qui est inversée. Derrière la tour, j'ai le jugement. Eh bien, qui est aussi inversé. Ouais. Ouais, moi je pense qu'il y a une période de destruction. Si vous voulez, c'est comme. Je vais quand même le dire parce qu'il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir une période de destruction, mais suivie de quelque chose de plus positif. Voyez-vous ? Oui. Peut-être un nouveau contrat si vous avez perdu votre travail, peut-être une nouvelle rencontre si vous êtes séparés. C'est possible aussi. Complètement. Oui. Après, ça peut être le fait, la tour inversée, de retarder l'inévitable. On retarde l'inévitable.
Comme j'ai la tour inversée avec le jugement inversé, bah peut-être que oui, hein, peut-être qu'on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, peut-être qu'on n'arrive pas à se réconcilier aussi avec quelqu'un. Complètement possible. Il ne faut pas avoir peur du changement. Je vais le répéter, vous ne devez pas avoir peur du changement. Vous ne devez pas vous enfermer. Je le répète. Eh ben non. Quatre d'épée. Quatre d'épée. On l'a déjà là, le 4 d'épée, hein, en dos de paquet avec le 7 d'épée. Ouais. Alors, bien sûr, ça parle de régénération, ça parle de repos, ça parle de calme, le 4 d'épée. Oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est particulièrement éprouvant ou qui a été particulièrement éprouvant. Ouais. Moi, je pense que ce qui vous aide avec le 7 d'épée, le 4 d'épée, c'est de vous éloigner de un peu de ce chahut-là, de vous éloigner de ce qui vous épuise, voyez-vous. C'est ce qui vous aide, oui. On reprend des forces avant de repartir une nouvelle fois sur le chemin de la vie. C'est ça. Ouais. On a besoin de retrouver de l'harmonie. Voyez? Vous devez résoudre des problèmes. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment le besoin de vous éloigner. De vous éloigner de ce qui vous fait du mal, de vous éloigner de ce qui vous fait souffrir, peu importe. Je recouvre la carte des amoureux inversés, le roi de coupe. Ouais, bon. Eh ben, on va pas. Et j'ai ce 5 d'épée qui est inversé. Le 5 d'épée, 5 d'épée, 7 d'épée. Hein. Le 5 d'épée qui parle, ben, qui peut parler d'hostilité. Voyez-vous, ouais, d'hostilité, de jalousie, de tromperie. Ouais. Le 5 d'épée inversé, rancune, problème du passé aussi, parfois, le 5 d'épée, quand il est inversé. Mais on peut sortir d'une crise, vous voyez. Oui. On peut s'être lancé dans des conflits qui n'ont servi à rien avec le 5 d'épée inversé. Après, il peut y avoir une forme de lassitude. Peut-être qu'on en a marre, peut-être qu'on pose les armes. Ouais, complètement. Il y a peut-être une leçon qui a été comprise. On doit focaliser maintenant son énergie de manière à construire et non à détruire. Après, ça peut être un passé encore ouvert, bien évidemment. Mais, ouais. Et oui. Et j'ai l'as de coupe qui est inversé avec la carte des amoureux inversés. Et le roi de coupe. Oui, effectivement. Bon. Alors, bien évidemment, ça peut parler de séparation. L'as de coupe inversé, oui. De blocage affectif. Ouais, complètement. Ouais, peut-être par rapport à quelque chose du passé. Il y a un repli sur soi avec l'as de coupe inversée. Complètement. Ouais. Peut-être que... pour moi, il y a une relation ici, pour vous les Verseaux, qui n'est pas saine et qui n'est pas épanouissante. Et là, vous devez vous diriger vers des relations plus saines et plus épanouissantes. Oui, est-ce que vous avez besoin de communiquer de manière claire et authentique avec quelqu'un? Avoir une meilleure estime de vous-même aussi. Ouais. Moi, l'as de coupe inversée, ça peut vraiment être une invitation à prendre soin de vous. Voyez? Ouais. Complètement. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Oui, peut-être qu'on n'arrive pas à exprimer quelque chose. Ou alors il faut mettre des distances. Moi, je pense qu'il y a une relation qui ne fonctionne pas. Donc, ouais. Je pense qu'il y a une relation qui ne fonctionne pas, peu importe la relation. Ok, ah bah tiens donc, allons-y gaiement. Et j'ai la carte du 3 d'épée qui parle de... Bah oui, qui parle de... Alors, ça peut parler de séparation. Oui, ça peut parler de séparation. La carte du 3 d'épée complètement. Ouais. Ça peut parler de douleur aussi. De douleur, de séparation, bien évidemment. Et j'ai la carte du soleil qui est inversée. Okay. Alors,
Manque d'amour, ah bah oui. On avait le 5 de Pentacle ici, hein, qui parlait de manque. Donc ouais, ça, il peut y avoir un manque d'amour. Un manque d'amour de quelqu'un pour vous, de vous pour quelqu'un, ou un manque d'amour envers vous-même. Voyez? Avec cette carte du soleil qui est inversée, pour moi, il y a de la tristesse au lieu d'avoir de la joie. Au lieu d'avoir de l'harmonie et de l'entente, il y a de la discorde et des conflits. Vous voyez? Oui. Moi, je pense que vous avez... Certains Verseaux n'arrivent pas à voir le côté positif d'une situation. Parce que vous êtes focalisé sur des blocages. Vous êtes focalisé sur des obstacles. Vous êtes peut-être focalisé sur un manque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Alors oui, il peut y avoir rupture de communication, difficulté de communication, des contacts qui deviennent difficiles, voire insurmontables. Ouais. Il peut y avoir une rupture qui cache des mensonges, des malentendus. Bon, 5 d'épée, 7 d'épée, oui, c'est comme si on n'arrive plus à être enthousiaste. Ouais. Suite à certaines conséquences, peut-être suite à des relations passées. Complètement, oui. Ouais. Des fois, on peut ne pas accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Complètement possible. Il y a une relation qui peut manquer de franchise. On oublie la vérité. Voyez? Après, ça peut être une solitude forcée, des retards, des déceptions. Complètement. Mais la carte du soleil, c'est le rayonnement par la pensée. Voyez? C'est ça. Ce sont les sentiments nobles. C'est ça la carte du soleil. Moi, je pense que vous avez besoin d'y voir clair dans une situation ou dans une autre, mais complètement. Vous avez besoin d'y voir clair, oui. Ouais, peut-être que y a quelque chose qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir. Peut-être que vous n'acceptez pas de regarder les choses en face, hein. C'est bien évidemment une possibilité. Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous. Eh ben, j'ai la transformation qui vient de tomber. Adaptez en genre les Verseaux. Alors, ouais, la guidance, elle n'est pas hyper positive, mais je vais le répéter parce que cette guidance, elle est là pour vous aider à avancer, les Verseaux, quoi qu'il en soit. Alors oui, ce n'est pas la guidance la plus positive de la semaine, je suis d'accord avec vous, mais la vie n'est pas que positive, autrement, on serait tous au courant. Transformation. Votre monde peut sembler avoir basculé, mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Une transformation positive est en train d'avoir lieu. Gardez la tête froide, laissez la tempête se dissiper et vous découvrirez alors que les choses ont été réorganisées pour le mieux. Ne craignez pas les changements qui ont lieu actuellement. Le changement est une composante incontournable de la vie. À chaque fin succède un nouveau départ. Avec confiance et dévotion, soyez prêts à lâcher le passé. Si une chose est certaine, c'est que quoi qu'il advienne, votre vie continuera à se transformer comme par magie. Même si tout vous semble actuellement instable et incertain, faites preuve de souplesse et restez ouvert aux nouvelles idées. Un avenir radieux vous attend. Voilà les Verseaux pour cette semaine. On n'a pas peur, on n'a pas peur des changements. Non, non, non. Le fait d'ouvrir les bras au changement, le fait de ne pas avoir peur de ces changements, même si c'est stressant, vous permettent d'évoluer. Pour moi, on stagne avec la carte du fou inversé et la carte du monde inversé. Oui, pour moi, on stagne. Mais le message de la transformation est extrêmement positif. Laissez la tempête se dissiper. Voilà, on lâche quelque chose qui est douloureux, qui est compliqué. Et un avenir radieux vous attend, les Verseaux. Voilà les Verseaux. On accepte cette transformation. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.